Les chats, donc aujourd'hui il y a Simba à côté de moi. Je ne sais pas s'il va rester toute la vidéo avec moi, mais voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, déjà, merci pour les 48 abonnés sur une vidéo que j'ai tournée. Je vous disais merci pour les 47, mais maintenant il y en a 48, donc je suis contente. Et si vous avez vu mon post d'hier sur Instagram, je vous disais merci pour les 48 abonnés sur YouTube. Il en manque deux pour les 50. Voilà, donc il s'est couché, Simba. Donc, attendez, je vais essayer de reculer pour voir si on le voit, mais je pense pas. Bon, bref, il s'est couché, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, s'il est là, mais vous le verrez pas trop, je pense. Bon, bref, Simba s'est couché. Peut-être qu'il reviendra après. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter. Je vais vous présenter 13 Reasons White, la série que j'ai regardée. Voilà, donc j'ai écrit tout ça dans mon bullet journal là sur cette page, et à côté j'ai écrit la playlist que je vais vous mettre dans la prochaine vidéo. Donc, alors commençons avec 13 Reasons White. Donc, 13 raisons, résumé, inspiré des best-sellers de J.H. 13 raisons, suit Clay Jensen, un adolescent qui découvre sous son Porsche, au retour du lycée, une mystérieuse boîte portant son nom. Les enregistrements révèlent que la jeune fille dont il était amoureux a décidé de mettre fin à ses jours pour 13 raisons. Donc en fait, dans cette série, c'est une adolescente qui s'est fait harceler, qui s'est fait violer, voilà, qui s'est tout fait. Et du coup, en fait, elle a décidé. C'était trop lourd pour elle, donc du coup elle a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà. Et en fait, Clay et ses amis, ben, essayent de découvrir qui l'a violée, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a décidé de se suicider. Voilà, tout ça. Et dans cette saison, il y a 4 saisons, donc 4. Donc dans la première saison, on entend plus les cassettes d'Anna Baker, celle qui s'est suicidée, qui raconte à peu près, qui raconte son histoire. Voilà. Donc excusez-moi si je parle un peu doucement, parce que je suis chez ma grand-mère, comme vous voyez. Voilà, ce décor, il vous parle un peu parce que. Parce que c'est celui de ma chambre chez ma grand-mère. Et du coup, voilà, je peux pas parler librement comme j'ai parlé quand j'étais toute seule chez moi. Voilà. Donc, bref, ça c'était un petit aparté. Donc, revenons à la série. Donc, en fait, la série, je lui mets un 20 sur 20, même un 1000 sur 1000, tellement j'ai kiffé cette série. Franchement, elle est très très longue et des fois ça m'a saoulé un peu de regarder parce que c'était vraiment très 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 long. Plus long que les épisodes de Pretty Little Liars et les épisodes de Riverdale. Donc, franchement, des fois ça me saoulait un peu, et franchement, je me disais que je vais peut-être arrêter parce que voilà, mais non.
Je suis allée jusqu'au bout et même si c'était très long, je suis hyper fanat de la série. Faudrait vraiment des séries à chaque fois qui parlent du harcèlement et tout, enfin similaire à 13 raisons why. Parce que franchement, elle est top. Et merci à Netflix d'avoir fait ça pour les jeunes à venir. Voilà. Donc du coup, voilà. Et du coup, ben, mes préférés dans cette série, donc déjà c'est Anna, parce que je la trouve vraiment magnifique. Anna Baker, voilà, on la voit pas forcément dans la série parce que comme elle est morte, on la voit pas. Mais en fait, des fois, on la voit en flashback. Donc voilà. Sinon, Jessica aussi, je l'ai trouvée vraiment cool. Elle est trop belle aussi. Donc voilà. Et Clay, il est trop beau. Lui, voilà, il est trop trop beau. Et Justin, voilà. Voilà, Mécha, c'est une courte vidéo, je suis désolée. Voilà, on a parlé de la série, donc 13 raisons why, qui est sur Netflix. Si vous l'avez pas vue, foncez la voir, même si les épisodes sont très très longs. Voilà, ils durent pas 1 heure non plus, mais ils sont quand même longs. Mais dans la quatrième saison, le dernier épisode, il dure 1 heure et demie, je crois, ou 1 heure, je sais plus. Mais foncez la voir, franchement, et ça vous explique un peu tout, le harcèlement au lycée, ben, le viol et tout, le viol au lycée, le viol chez, enfin. Voilà, en soirée et tout, ça vous explique. Et franchement, foncez, allez la voir. Voilà. Voilà, mes chats, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.